Bienvenue à cette courte capsule qui couvrira les informations qu'il est possible d'exporter à partir de Covidence. Regardons l'exportation du schéma Prisma, une obligation dans plusieurs types d'études. Cette option est très simple d'utilisation. Il suffit de cliquer sur le bouton Prisma dans le haut de l'écran. Le schéma Prisma s'affichera. Pour obtenir les données du schéma, il suffit de cliquer sur Export Data et de copier-coller les données. Regardons maintenant les différentes informations qu'il est possible d'extraire à partir de Covidence. À noter que plusieurs équipes décideront de sortir de la plateforme avant l'extraction et l'évaluation de la qualité pour effectuer ces étapes dans d'autres outils comme Excel, RevMan, etc. À partir du tableau de bord, cliquez sur Export. Premièrement, il est possible d'exporter vos références selon les étapes du processus dans Covidence. Sur References et Stage, choisissez l'étape. Ensuite, choisissez le logiciel ou format par lequel vous enverrez vos références. Nous utilisons cette même étape lors de l'ajout en lot des PDF. Ensuite, téléchargez le fichier dans la section Recent Export au bas de l'écran. La fidélité interjuge nous permettra d'obtenir des données quantitatives sur l'accord entre réviseurs, incluant le coefficient de Cohen utilisé dans de multiples revues. Sélectionnez l'étape, cliquez sur Export CSV. Voici une courte démonstration sur la transformation du fichier CSV en format Excel. Si vous effectuez l'extraction dans Covidence, vous aurez le choix d'exporter toutes vos données en format CSV ou Excel. Comme indiqué sur la plateforme, le format CSV enverra toutes les données sur une même feuille qu'il faudra convertir dans le logiciel de votre choix. Voici un exemple du résultat converti dans Excel. Avec Excel, Covidence exportera dans un classeur la liste des études sur une feuille, puis chacune des études extraites sur une feuille distincte, incluant une mise en page des résultats. Voilà, vous savez maintenant exporter des références, les résultats de la fidélité interjuge, ainsi que les données d'extraction. Au plaisir!